film sort le 5 avril. Nous allons consacrer notre émission à la sortie de ce film d'événement. Finalement, c'est l'histoire d'un fan absolu qui est Fabrice Luchini, qui se lève un matin et Johnny n'existe plus et n'a jamais existé. Et ça devient un cauchemar et c'est une quête pour retrouver Jean-Philippe Smet et faire en sorte qu'il redevienne le Johnny que vous avez connu. Et la question que j'ai envie de vous poser à tous, si dans la vraie réalité vous n'aviez pas fait vos carrières toutes et tous qui êtes autour de ce plateau, vous auriez été quoi aujourd'hui? Quel est le métier pour lequel vous étiez destiné? Fabrice. Ah, c'est moi sur qui ça tombe en premier. Non, je vais poser à tout le monde la question. D'accord. Est-ce que vous êtes imaginé si j'aurais été dans comédien? J'aurais été dans le commerce. Dans le commerce. Ou avocat au maximum si j'avais réussi, énorme. Mais je pense que j'aurais été dans le commerce, oui. D'accord. Johnny? J'aurais tenu un sex shop. Non. Jean, vous mais étiez... moi, je travaille avec lui, si c'est ça. Ah oui, d'accord. Partenaire. Clotilde? Bah, Jean était forcément la tenancière du sex shop au Ah, mais attendez, il faut qu'on... Vous savez quoi? Avec un tel casting, on va l'ouvrir, ce sex shop, hein. On va l'ouvrir, et puis il y aura le commissaire pour surveiller. Il fera un videur à l'entrée. On fera un second. Chez Johnny, tu sais pourquoi tu rentres, tu sais pas avec quoi tu sors. Je crois surtout que c'est un film sur le destin. Imagine que ce qui a déterminé ta carrière, ton premier rendez-vous, on a tous un premier rendez-vous, le premier rendez-vous ne se soit pas passé, par exemple. Bah, tu aurais une autre femme, d'autres amis, un autre milieu... Oh non, moi je veux pas une autre femme. Hein. Non mais, si ça avait changé ton destin, tu vois. Finalement, si Johnny n'existait pas, il y a plein de choses qui n'existeraient pas, et notamment les fans de Johnny, et Dieu sait s'il en a, ils y sont heureux et en forme ce soir sur le plateau des Enfants. Je vais dire une chose, peu de choses, je vais dire une chose, c'est qu'il est hors de question de penser que dans le film, Johnny Hallyday ne réalise pas la puissance de Johnny Hallyday. C'est Johnny Hallyday dans le film. On va pas devenir fou à raconter que c'est pas Jean-Philippe Smet qui devient Johnny Hallyday dans le film. Sinon, c'est une catastrophe. Oui, mais ne m'engueulez pas. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Parce que si on dit aux gens qu'on pousse le bouchon à faire de l'énigmatique sur Destinée, c'est pas Jean-Philippe, c'est pas Johnny, les gens, ils vont devenir fous. Ils vont dire, faut pas aller voir Jean-Philippe, c'est trop compliqué, il y a Johnny qui existe pas. Johnny se révèle dans sa Destinée où toutes les plus grandes chansons de Johnny sont là. C'est un film immense, musical. C'est un film de densité atmosphérique, de puissance affective, libidinale. Il y a du sexe, il y a du rock'n'roll. Il y a du rock'n'roll. Alors, c'est mercredi prochain, hein, mine de rien. Alors, juste, et c'est important, je compte sur vous pour bien remettre, bien recadrer tout au long de cette émission. Ma fonction simple. Exactement. Alors, je disais donc que si Johnny n'existait pas, il n'y aurait pas les fans, il n'y aurait pas tout ce qu'on connaît, et puis il n'y aurait pas les sosies. Saviez-vous, Johnny, qu'il y avait eu un maillon faible, spécial sosie de Johnny Hallyday? Vous étiez au courant? Non, je ne l'ai pas vu. Eh ben, vous avez raté quelque chose, Johnny. Ouais. Alors... Il faut saluer... Ces fans de la première heure, il y en a quelques-uns qui sont dans le public et qui ont beaucoup d'humour. Il faut savoir que même nous, on passerait au maillon faible, on dirait des conneries, ça va tellement vite, c'est tellement stressant qu'on se trompe tous. Mais est-ce que parmi nous, autour de cette table, il y en a qui ont été fans à une époque, peut-être plus jeunes, adolescents, d'un artiste au point d'avoir les posters, de se looker un peu pareil? J'ai été fan de James Brown, mais enfin j'avais du mal à danser aussi bien que lui. J'ai été fan de Johnny Hallyday, j'ai été fan des Beatles, j'ai été fan des Stones, des Animals, d'Eric Burdon, j'ai été fan de... Et à chaque fois le poster, les disques collecteurs? Pas les posters, non, pas d'identification visuelle, le plaisir de se laisser... L'amour de la musique, c'est tout ça. Pas le fan dans sa caricature, qui est un autre problème. Ça, c'est le problème psychologique, sociologique. Ça, c'est pour Mireille Dumas. Problème du fan, émission de télé. Tu vois, ça, c'est Mireille Dumas. Pourquoi vous n'avez pas d'identité? Ben, je sais pas, je vis pas à travers moi, je vis à travers un autre être que moi, et c'est rasoir. Moi, j'ai pas fait un fan comme ça. Et je pense qu'on peut adorer un grand artiste sans être ridicule. Voilà. Alors. Je veux quand même poser la question à Johnny, parce que
Johnny, vous étiez fan de qui quand vous étiez jeune, adolescent? Elvis Presley, James Dean, Marlon Brando, Ricky Nelson, Brigitte Bardot. Brigitte Bardot? Oui, bien sûr. Ah ben, vous n'êtes pas le seul, hein? Et au point de collectionner, peut-être, aviez-vous un poster de Brigitte Bardot? J'avais pas de poster, parce qu'à l'époque, on ne trouvait pas des posters aussi facilement qu'aujourd'hui, mais j'avais des photos que je découpais dans les journaux, que je mettais au mur. Eh ben, écoutez, ça, c'est une nouvelle. Voilà. Yves, vous aviez des photos de qui, vous? Julie Lescaut? J'avais pas de photos, non, mais j'étais... Non, j'aime bien Véronique. Non, j'avais pas de photo, mais j'étais admiratif de Brando, de Niro, et c'est, enfin Brando. Des grands comédiens. Brando, c'est un acteur qui m'impressionnait vraiment. Ouais. On va rester dans les fans, et on a retrouvé une image d'un autre fan à vous, Johnny, mais là on remonte dans le temps. Hein. Nous sommes en 1975, Mélanie, et là c'est. Il n'y a rien qui ressemble à Johnny, ni la façon de chanter, ni le look, ni rien. Rien. Et c'est une émission de Philippe Bouvard. En liberté, voilà, effectivement, c'était en 75, il est assez jeune d'ailleurs. Mais. Alors, merci. Ça aura été l'émission la plus longue en applaudissements. 2 heures d'émission, 1h55 d'applauses. Alors, on va remonter dans le temps à nouveau, et cette fois-ci, c'est pour retrouver des images de Johnny. Alors, on a retrouvé des images très très rares. Nous sommes en 1958 et vous avez 15 ans. Je crains le pire. Et si je vous dis Alba Junior. Oh là. Non, vous ne m'avez pas fait ça. Mais attendez, Johnny, je ne me permettrai pas. Alors. 15 ans. Alors. C'est une publicité où Johnny a 15 ans, mais vous allez voir qu'on lui en donne 12. À peine, oui. Et c'est une pub pour des vêtements. Et là, vous n'aviez pas encore la rock'n'roll attitude, Johnny. Non, pas vraiment. Vous non. étiez un peu sur la route. Mais je n'avais pas encore rencontré Presley. Bon. Alors, regardez cette image. Là, c'est une publicité très intéressante, Johnny. Alba. Junior. Habille les jeunes d'une manière élégante et pratique pour tous les âges et pour tous les usages. Coupés dans des tissus de haute qualité, les vêtements Alba. Junior. Sont solides. Pour résister à ces brises fer. D'une coupe étudiée. Pour les temps et mouvements. Ingénieux dans les détails. Puisque tous les ongles permettent aux vêtements de grandir avec l'enfant. 15 ans, là. C'est ça, hein. Vous vous souvenez de cette image? Non, pas vraiment, non. Vous avez vu comme il est mignon, il est incroyable. Il n'a pas changé. Non? Il n'a pas changé? Oui, enfin quand même, il ne faut pas que je gère non plus. Non, mais il y a quand même les yeux de félin, là, hallucinant. Et puis ce manteau. Ah, eh bien, nous l'avons retrouvé, Johnny, le manteau. T'imagines le mec qui dit, là, il y a le manteau qui rentre. Comment? J'y ai cru. Vous avez cru au manteau? Cru, vous savez qu'il y a un avocat qui a sauvé la vie d'un homme parce que vous venez de faire. Ah bon? Oui, il y a l'histoire d'un homme... Moreau Gaffieri, Landru. Oui, il y a un homme qui était accusé d'avoir tué quelqu'un. Il y avait tous les jurés et tous les gens qui étaient là. Et l'avocat a dit, eh bien, je vais vous dire, ce n'est pas lui, parce que je l'ai trouvé, le vrai assassin. Il va rentrer. Et tous les juges... Et tous les gens qui devaient juger se sont tournés et l'avocat a dit, vous voyez que vous doutez. Puisque vous vous êtes tourné, ça veut dire que vous voulez... Et ben voilà, et c'est une histoire réelle. Je pleure. Je t'engage, Vicky. Non. On a d'autres casseroles, Johnny, mais pas dans la pub. Bon, d'accord. Jean-Philippe, le film sort mercredi prochain, un film de Laurent Tuel. Comment? Il est très bon, le Kelly. Ah oui, ah ben ça, c'est clair. Comment vous vous êtes rencontrés très, la première très fois bon. Comment ça s'est passé, votre première rencontre pour parler du film? Parce qu'on m'a dit qu'au début, vous étiez tous les deux un peu sceptiques quant à l'idée de jouer dans ce film. Ben, au départ, je voulais pas le lire. Oui, il paraît que c'est Barbara Schulz qui vous a amené le scénario. Non, et c'est Antoine Deléré, à côté de moi. J'étais curieux, je l'ai lu. Et c'est vrai que ça m'a amusé. Le m'a amusé. L'écriture était bien, quoique elle a été beaucoup remaniée depuis. Et moi, je voyais, dans le rôle du fan, je ne voyais que Fabrice Lucchini. Quand il chante, quand il joue, en se prenant pour imiter quelqu'un d'autre, il le fait toujours avec la charge qu'il sait faire. C'est jamais lourd. Il le fait avec élégance. Ça doit être impressionnant, Fabrice, de chanter du Johnny avec Johnny à côté. Oui. C'est une expérience unique. Parce qu'avec Johnny Hallyday, le problème, c'est qu'il ne te signifie pas qu'il est Johnny Hallyday. Pourquoi il est de cette race exceptionnelle des grands, grands aristos? C'est qu'il oublie qu'il est Hallyday. Toi, tu ne l'oublies pas, mais lui,
il vient pas là en t'écrasant. Il a une ascendance sur les êtres qui est une ascendance d'affection. Tout ce qui a été dit sur Hallyday est faux. Le truc de... Le phrasé de Johnny est un phrasé de quelqu'un qui aime mettre les points... Bon, alors, non, je reste sur ça, l'unique question. Parce que quand je pars après, ça va trop dans toutes les directions. Donc maintenant, je vais apprendre, faire une énorme promo, je vais apprendre à répondre. C'est de la démence d'oser chanter face à lui. Alors j'ai, par son visage et par ses yeux, eu la possibilité d'un accouchement où j'ai pu oser. Parce que c'est très dur. Vous avez l'air là, mais allez-y vous tous là. Allez-y, montrez-lui. Non, non. Montrez-lui. Essayez. Non. Essayez. Essayez une seconde. Parce que Johnny... Attends, je me calme. Hein. Alors, je attendez, me calme. On va je faire un petit blind test, tiens. Ah bon, ce d'accord. sera l'occasion donc, de chanter. D'accord. Non, mais je... D'accord, je finis ou pas? Vous me oui, dites. Oui, bien sûr. D'accord. Finissez. Parce que, imaginez là, Johnny, lui, il crée pas un climat de tension bienveillant, regard bleu. Mais attention, il est là sur le plateau. Et tu dis, Requiem pour un fou, merde, celle-là, je la maîtrise pas bien. T'es comme un malade le soir. Je vous préviens, n'approchez pas, que vous soyez flic ou bardeau. Je tue celui qui fait un pas. T'es tout seul dans ta classe. D'habitude, quand je joue Molière, qu'est-ce donc? Qu'avez-vous? Laissez-moi, je vous prie, mais encore, mais dites-moi. Encore, dites-moi quelle bizarrerie. Laissez-moi là, vous dis-je. Et courez vous cacher. Mais en entend les gens, au moins, sans se fâcher. Moi, je veux me fâcher. Et ne veut point t'entendre. Dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre. Et quoique ami, enfin, je suis tout des premiers. Moi, votre ami, rayez cela de vos papiers. J'ai fait jusqu'ici mais profession de lettre. Mais c'est quelle chanson de Johnny, ça? Ah ben ça, c'est Molière. On l'a fait une fois. C'est vrai? J'ai fait jusqu'ici profession de lettre. Mais alors, Molière sur TF1. Molière, bravo les garçons. C'est quand vous, je viens de voir paraître. Je vous déclare honnête que je ne le suis plus et ne veux nulle place dans des cœurs corrompus, oui. 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 Je suis un trou béant, oui. Je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte. Bon. Allez, vous devriez mourir de pur nom. Pour 1h50, ça va mettre dans la merde, Arthur. Ça aurait s'excusé. Oui. Les coupables d'honneur s'en doivent scandaliser. Et alors, vous avez Johnny Hallyday. Très, très, toi, grande télé. Et alors, t'as Johnny Hallyday. Et toi, le soir, t'as pas le texte habituel, t'as pas soit du Rimbaud, soit du truc. T'es tout seul, tu mets le CD que tu connais pas, tu maîtrises pas bien cette période-là. T'en maîtrises, tu maîtrises Kiddy Wash, énorme. Tu maîtrises Pour moi, la vie va commencer, tu maîtrises La bagarre, tu en maîtrises. Mais oui. Tu n'es pas un spécialiste, mais absolu. Donc il y a des trous dans ta structure. Non. Il y a des... Oui, je suis très bon dans... Le directeur de l'asile m'a enfermé et je m'arrête et tu pars. Ah, du chanter, ah, kili 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 what. Bon, ça c'est il y a 35 ans. Après j'étais bon dans. Mais je vous prends un par un ou tous les trois à la fois. Ah, ça me pas bon. Stop. Écoutez bien, j'étais très bon aussi dans ma guitare parce que j'aime bien brancher les inédits face aux stars. Je lui dis, est-ce que tu connais ma guitare? Il a eu un moment d'hésitation, Johnny. Je lui dis, ma guitare sans flamme de joie. Quand tu es là, quand tu pars, elle s'ennuie. Un seul, seul dans la nuit. Oh ma guitare, don don. Oh ma guitare. Ciao, alors moi, attendez, j'ai... je finis juste et après vous avez la question parce que je m'en vais jouer au théâtre dans 3 minutes. Je m'en vais jouer. Mais au théâtre. Mais je me souviens plus de la question, Fabrice. La question, c'est comment on fait. La question, Arthur. Le mec qui prend la main de la meuf en même temps, qui crée un climat hyper affectif. Parce que grand contact avec Clotilde. Oui. Et dîner avec elle avant le mariage, avant qu'elle se structure. Grand branchement, hein, rappelle-toi. Ne désavoue pas ce que tu as vécu écoutez. Avant le mariage. T'as eu une tentation. Fabrice. Elle a eu une tentation. On a dîné tous les deux après Céline. Elle a eu une tentation, mais l'autre était plus bon, plus structuré, plus rassurant. C'est un homme qui est connu. Moi, c'était l'anxiété d'un acteur. Elle a eu un prince. C'est normal qu'elle ait eu. Je pose une question. Le seul génie de Hallyday, c'est qu'il dit bien, il voit bien que je ne sais pas chanter. Il voit bien que je caricature, que je sais pas, que c'est pas mon métier. Mais par l'amour qu'il a porté, l'affection. Car Johnny, au-delà de tout, il est né pas dans la rue. Je suis né dans la rue. Non, il est né dans une empathie. Voilà, c'est un homme qui est dans l'empathie. Et il te donne le courage de jouer. Je vous préviens, n'approchez pas.
que vous soyez flic ou... Il y a des meufs énormes, là, hein, c'est effrayant. Non, mais là, tu ouvres des jambes, les jupes sont au ras de là. Non, mais c'est dément. Je vous préviens, n'approchez pas, que vous soyez flic ou badaud. Je prends celui qui aura un pas. Non, je ne ferai pas du cadeau. Éteignez tous ces projecteurs avec notre ami Régnier. Régnier, Clotilde, Johnny, ainsi que du jardin. Et moi, je suis de la merde, moi. Arthur, j'essaye de trouver des rimes. C'est du boulot. Dans 5 minutes, je suis au théâtre. Ah, justement, avant de partir au théâtre. Arthur, sur la moto. 3 mois comme ça. Hein. Oui. Non, t'es méchant, Johnny, parce que j'étais toujours à ton écoute. J'étais le Jacques Sancel de Johnny Hallyday. À vous que j'ai toujours été à ton écoute. Aimez-vous, embrassez-vous, c'est pas le moment de vous en parler. À vous, Johnny, que j'ai été très peu bavard. Avoue-le, je te le demande. Est-ce que tu as plus parlé que moi, Johnny? Dis la vérité. Regarde-moi dans les yeux, je t'en supplie. Johnny, est-ce que tu as plus parlé? Par rapport à d'habitude, Didier, hein, par rapport à d'habitude. Non, mais dans le tournage, est-ce que tu as eu la sensation d'un bavard ou de quelqu'un qui était à ton écoute? Dis-le sincèrement. Dis-le sincèrement, Johnny. Dis-le. Tu as beaucoup parlé de Céline. Non, c'est vrai que tu m'as fait beaucoup parler. Merci, bravo. Tu m'as obligé à parler. Voilà. Cette pote. C'est ça, exactement. En fait, sur les tournages... Bravo. Attendez, elle chante bien. Johnny, l'avis du professionnel. Non, c'est nul, mais bon. Ah non, c'est bien. Ah ben, je suis pas d'accord avec... C'est maladroit. Il y a beaucoup d'émotions. Alors, je suis pas d'accord avec toi. Tu as le trac, ça se voit. Oui, ben oui. Tu prends pas le temps de faire des pauses, mais tu chantes drôlement juste et tu chantes très bien. Et c'est pas facile de chanter comme ça. Merci. Ouais. Chapeau. Non mais c'est vrai. Ah, il est gentil. Et en plus, je dois dire qu'on tournait tous les trois, Jean, Mathilde et moi, mariage. Était parti pratiquement en boulette. Alors faites pas l'hypocrite, boulette, parce que c'est toi qui m'as appelé pour me dire tiens, ressors-moi cette casserole. C'est vrai. Je veux faire un duo avec en travaillant, je trouve que ça pas mal. Oui, mais il faut qu'elle mette le même col roulé par contre. Non, comme ça. Non, moi, c'est un peu sexy, hein. Ah ouais, avec le col roulé, là, j'avais l'impression qu'elle chantait dans un chalet. Non, c'est pas ça, c'est que j'avais pas répété du tout. Et je suis arrivée comme ça d'un avion. Non, c'était pas facile, quoi. En tout cas, il y avait de l'émotion et je trouve ça pas sympa de la part d'Antoine qui nous a appelés. C'est pas évident, quand on n'est pas... Quel fumier. On aime tous chanter, hein, mais tout le monde ne peut pas chanter. C'est pas évident, quand c'est pas ton métier, devant, en plus, Charles Aznavour, c'est un petit peu ce que Luc Uny disait tout à l'heure. J'arrive sur le tournage, il faut que je chante quoi ma gueule, il faut que je chante de votre Johnny. C'est vrai que c'est comme si moi, on me demandait, je rencontrais Elvis Presley, il fallait que je chante des chansons de Elvis Presley devant lui. C'est pas évident de chanter des chansons. Elle a chanté devant, quand même, Charles Aznavour, qui a écrit cette chanson. Elle l'a drôlement bien chanté. Voilà, bravo Mathilde. Respect. Respect. Mais ce n'est pas une casserole. Vous allez faire un duo? Ouais. Vous, on va faire un duo. Un duo, vous voulez un truc qui bouge? Ah, mais moi, je voudrais faire un duo avec... peut-être un duo de blues, d'ailleurs. Ouais, pourquoi pas. Hein? Une chanson d'amour. Je suis sûr que du blues, tu le ferais très bien. Eh ben, écoutez, rendez-vous est pris. Hein. Maintenant, le problème, c'est... Les mots, ce sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. On approche à grands pas de la fin de l'émission. Enfin, moi, je vois quand même que c'était une chanson de Sacha et que lui, il n'a pas beaucoup chanté là-dedans. Oui, il connaissait pas plus les paroles que toi. Oui, il s'est un peu livré sur moi sur les paroles, mais c'est vrai que c'était pas, je connaissais pas bien les paroles. Et en plus, il chantait derrière, il dansait derrière comme ça, il était devant la caméra. Enfin, c'est vrai que quand je vois des trucs comme ça, je me dis... J'ai quand même fait beaucoup de choses, quand même. Oui. Bon, beaucoup de choses. Mais c'est pas du niveau du petit diablotin, Johnny. C'est pas toujours de qualité, mais bon. En tout cas, Johnny, je voulais te remercier ainsi que tous nos invités parce que nous avons passé un moment unique ce soir et ça faisait très longtemps qu'on attendait de te recevoir. J'ai eu des enfants de la télé. De qualité. Et grâce à toi, nous avons eu un public unique aussi. Public de qualité, des invités de qualité. J'espère que tous les tubes vont marcher. Hein. Alors. Et bravo pour ce que j'ai vu. L'émission n'est pas terminée, attention. Attendez. Tu sais ce qui est bien quand on fait une émission comme la tienne?
comme ce soir, c'est que bon, moi je viens présenter mon film avec le Kini. Mais j'ai la chance aussi de voir la présentation des autres films qui vont sortir. Et ben j'ai vu quand même quelques bons films, enfin quelques bandes annonces de bons films ce soir. Je vais, en tant que spectateur, je vais aller voir ces films parce que j'ai envie de les voir. Voilà. Johnny la classe, il n'y a pas de problème. Johnny la classe. Arthur. Oui. Après, je voudrais dire un truc par rapport à Johnny. Moi, je constate une chose, c'est que d'après les réactions du public, Johnny, il génère toujours autant d'amour. Beaucoup. Les gens l'aiment vraiment.